tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo au sujet de l'installation de la prise Green Hub connectée, comme première chose due. Je vais vous faire voir donc l'installation finale dans la Pantie, comme vous voyez. Donc on a bien le disjoncteur ici, le relais Wi-Fi et le contacteur relié par Wi-Fi pour commander la prise Green Hub que vous avez là. Donc ceci commandé par cela. Donc quand on veut donc commander donc la prise, si vous voulez, une fois l'application installée, on met dans le contacteur ici, donc on peut l'activer si on veut. Donc là, il est en vert. Et si on veut programmer, on reste appuyé dessus. Voilà, hop. Et là, on peut programmer les heures d'éteindre les appareils ou démarrer l'appareil quand la Dacia sera en programmation du lundi au dimanche. Donc comme là, j'ai mis départ 22h35, coupure 6h25 du matin. Et comme ça, ça vous permet de profiter par votre portable de la gestion totale de la Dacia et en même temps ça vous fait les rapports de consommation. Vous voyez, en direct. Donc ça vous dit, comme là bien sûr j'avais fait un essai cette nuit, donc ça s'est bien déclenché mais ça n'a rien consommé. Et grâce à ça, vous pouvez suivre la consommation de la voiture, le départ, l'heure que vous voulez l'arrêter ou la démarrer. Ou alors après, vous pouvez très bien piloter aussi votre installation en appuyant directement sur le bouton. Donc quand c'est vert, ça se met en route. Là, en bleu, c'est en automatique. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile sur ce boîtier Legrand connecté. La prochaine étape, normalement, monsieur Teddy Louchet, donc de chez Dacia Ville, le vendeur, va me prêter une Dacia sur un week-end complet, justement, pour mettre la voiture ici, puis faire des essais. Donc, je vous referai une petite vidéo sur ça en même temps, et en espérant que vous avez apprécié la vidéo, et puis à très bientôt.